lui donne la priorité pour changer de voie. Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Univers Moto FR. On se retrouve pour un épisode motard versus quotidien. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Bon visionnage. Oh là là. Je fais signe de passer. J'accélère et je vois un père de famille débouler. Donc j'ai pilé. Headlock. Ah, c'est moi. J'ai frotté le slider. Where are I? I probably. Where? 1, 2, 3. Get on it, the lad. Where are I? You alright? Oh yeah, mate. Yep. Stop. Stop. All right, stop. Did I actually hit you? No. Almost. What? Look, I'm sorry. DJN G25. Have you had anything to drink right now? No. I was parked. Listen to what happened. I was parked right there. Yeah. I was looking at my media because it did something funny on the dashboard. I looked down and bingo, there you were. And that was that simple. It was just Have you had anything to drink? No. Not even one sip? No, of course not. Are you sure, sir? I don't drink. All right. I told you what happened. That's what happened. I definitely... It really scared me because I thought I was going to die. I thought I was just about ready to lose my left leg. It scared the hell out of me, too. All right. If you weren't drinking, then I forgive you. It was just a horrible act.
potential accident. All right, right. Have a good day, please. All right. Pourquoi tu fais pétarader là? Elle fait plus? Elle fait plus. Ouais, il est nul, hein. Ah, il fait chier. Non mais c'est abusé. Cette ligne d'échappement elle a un problème. Oh putain. Tourne. Ah, ça fuit comme un voleur. Il y a la police au fond là-bas. Je sais pas si vous voyez les gars, ils sont en train de contrôler. Moi je vous mens pas que j'ai pas ma chicane. Pour une fois je l'ai pas pris sur moi. Il fuit comme un voleur. Je lui ai dit tourne. Il est parti, il a flippé. Il s'est enfui comme un voleur le con. Il fait des amours, hein. Ils étaient en train de contrôler, hein. Incroyable. Full black et très jaune. Tributo encore. Il y en a beaucoup à Paris, hein. Les Parisiens ils kiffent ça. En plus ils se garent n'importe comment. T'as pas remarqué dès qu'il y a des grosses voitures, ils s'en foutent, ils se mettent à moitié sur le trottoir. Regardez, j'ai failli la shooter. La dinguerie. Il y a une grenouille. Elle est énorme. Oh la dingue. Il a cassé son rétro. Il a cassé, vous. Mais non. Comment tu l'as cassé? Oh le seum. Tiens. Comment t'as fait? T'as vu comment la diable? Oh, ils ont failli se rentrer dedans. Ta ta ta. Ah, tu me la regardes, tu regardes que la regarder d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pourquoi? Il a fait le refrain en 4. Ah ça? Qui? C'est passé quoi? J'ai pas compris. Bah, il y a une voiture qui est passée sur qui il était à pied. Une voiture ou une meuf à pied? Une meuf, dame qui a traversé la route. En voiture? Elle a pas regardé devant elle. Là c'est bon. Ouais, ça commence. Oh les gars, la dinguerie, j'ai jamais vu ça. Wow. Regardez la voiture. What the fuck. Oh la dinguerie. Oh ça pue. Oh ça pue. Oh il a flingué son moteur. Oh ça pue. Il a flingué son moteur. Wow. Dinguerie. Stai fermo! La schiena? Non lo so. Stai calmo. Stai calmo, pa. Sì. Ti dico di andare piano! Come va? Dovrei essere a posto. Eh? Dovrei essere a posto. Hai dato una schienata. Toute la police de Cannes était de sortie aujourd'hui. Il y en avait plus de 10 au mètre carré. Si j'avais su, j'aurais pris au moins 2 sachets de Smecta avant de sortir de chez moi ou mettre une couche pour adulte mes ruptures de stock, tu connais. Je roulais tranquillement quand cet automobiliste a failli m'envoyer faire un foot avec Tupac. Franchement, c'est quoi ce... Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. Elle ment. Donc elle vous a trahi? Ah oui. Elle ment. Vous comprenez? Je dis moi que c'est le record du monde de la trahison. Là je me tape des barres, la conne de ta race.
Encore un automobiliste qui pense que mettre son clignotant lui donne la priorité pour changer de voie. Il se met à klaxonner, comme si j'allais avoir peur, donc je descends pour voir ce qu'il veut et comme par hasard, dès que les choses deviennent concrètes, 99,9% des gens se chient dessus et n'assument pas. Je ne suis pas un exemple, mais j'arrive pas à me laisser faire, c'est plus fort que moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!